Octam, sans pression les amis, bienvenue sur Ishimo Cousin Trading. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons faire tout simplement des analyses. Et je ne vous le cache pas que je suis dégoûté, les amis, parce que j'avais déjà terminé la vidéo d'analyse, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le constater par vous-même. J'avais tout fait. Là, nous sommes sur un ZJPY, nous sommes Euro JPY, Euro AUD, Euro USD, GBP JPY, j'avais fait tout ça, j'ai terminé tout ça en 40 minutes de vidéo avec toutes les explications possibles que j'attendais, tout ça. Et après, le logiciel m'a planté tout simplement. Au moment d'enregistrer en fait la vidéo, ça m'a affiché ça. Impossible d'ouvrir cet enregistrement, hein. Le fichier est peut-être endommagé ou inaccessible. Dégoûté, dégoûté. Donc là, je suis en larmes parce que voilà. Mais bon, voilà. Donc du coup, j'ai même plus d'énergie en fait. J'ai plus d'énergie. Mais bon. C'est comme ça. Je vais juste, excusez-moi, je vais juste essayer d'expliquer vite fait, mais franchement, je suis dégoûté, dégoûté, dégoûté. Bon. Excusez-moi, excusez-moi. Bon, c'est parti. Donc, franchement, j'ai plus la force. Moralement, non, ça passe pas. Fait chier. Bon. Bon, c'est parti. Bon, là, nous sommes sur GBP-JPY et nous sommes en H4. En H4. Donc, je disais sur l'autre vidéo que j'ai pas pu enregistrer que j'attendais en fait la sortie des prix dans cette zone. Cette zone, sont, franchement, je suis dégoûté, dégoûté. J'attends que les prix sortent de cette zone, qui sont le milieu du range qui est là, ok, le range que nous avons depuis ici. Et s'ils sortent de cette zone-là, je vais entrer en position pour aller chercher la borne haute de ce range ici. Excusez-moi parce que j'ai même plus d'énergie. Du coup, je vais juste expliquer en fait ce que vous voyez en fait les analyses directes, mais du coup, je vais pas faire des analyses une analyse complète quoi. Désolé. J'ai même plus d'énergie. Croyez-moi, j'ai plus d'énergie pour dégoûter. Dégoûter. Donc, ici, un daily, on voit que ici, un daily, on ne peut pas entrer en position tout de suite parce que les prix sont bloqués ici. Et là, en fait, c'est un plat sur les 50% de Fibonacci qui sont là. C'est un plat Tenkan Sen. Donc, les prix sont bloqués ici. On attend la cassure de ce plat avant d'être en position pour venir chercher le haut ici. Et le haut ici, on voit que après nous avons la Kijun Sen, mais le haut ici qui sont les combien ici, on voit que c'est un plat Kijun, un plat Tenkan Sen ici, les 138,219, c'est un plat Kijun qui est là. Donc on casse ici, on va chercher un haut ici, mais on voit que nous avons aussi un plat Kijun qui est là, Tenkan Sen qui est là aussi sur les 137. Donc, il faut aller tout doucement. Mais si ça casse, son objectif, surtout, surtout, c'est la Kijun Sen qui est là, les 138. Donc, en H4, on n'entre pas en position avant que tout ça soit cassé pour être sûr qu'on entre dans le trade avec moins de stress, tout simplement. Donc, on attend que ça casse, que la Kijun monte un tout petit peu ici, sorte peut-être du nuage ici. Et après, on entre en position. Mais sinon, pour la baisse, on va attendre que les prix cassent pour le bas ici, peut-être avec qui casse la Kijun Sen ici, et on prend le risque d'entrer en position. Sinon, pour être sûr, il faut attendre la cassure d'ici, qui seront quand on vient ici en M15, on voit que ce que nous avons mis, ici, en H4, nous avons tracé ici. Ici aussi, on peut tracer ici aussi. Ici, on va tracer ici. On va en M15. Bon, en M15, qu'est-ce qu'on a? Nous avons tout simplement
Ceci, donc on va attendre que les prix cassent ici pour entrer en position pour venir chercher le bas du range ici. Sinon, la sortie de d'ici, okay, parce que c'est tout simplement un range en M15 ici. Donc la sortie après un pullback ici, ok, ici là, si les prix sortent du nuage, la Kijun Sen descend, on entre en position et on vise tout simplement le milieu du range ici et après pour venir chercher le bas ici. Donc on attend. On attend comme ça. OK. On attend ceci. Après un pullback, on entre en position pour venir chercher ici les 136, mais on va garder ça. On va pas couper tout de suite. On va tout simplement faire un break-even. On accompagne le prix pour venir chercher, pourquoi pas, le bas du range ici. Excusez-moi les amis, je suis dégoûté. Là, je fais ça, mais pas possible. Je suis dégoûté, je vous jure, dégoûté, dégoûté. J'ai envie de pleurer même. Donc voilà, en M15, on attend que les prix cassent ici, les 50% des Fibonacci qui sont là, on attend qu'ils cassent après un pullback sur Kijun à la baisse ici, on vend ici et après on va chercher ici et tout simplement on accompagne pour venir chercher le bas du range ici en H4 si possible. Après la cassure ici en haut ici, on attend s'il casse et sorte du nuage ici, on entre en position bien sûr après pullback sur Kijun, on entre en position et on y va. Voilà pour GBP, JPY. Après, vous voyez que si ça casse ici, un pullback après, on va chercher tout simplement tout ce qui est en haut ici, tout simplement. Euro USD, bon, donc je vais tout expliquer tout simplement, mais franchement, je suis dégoûté. Euro USD, la semaine dernière, où nous sommes entrés en position ici en achat, nous sommes venus chercher ici, nous avons eu un TP, c'était cool. Donc maintenant, on voit que, oui, après, on attendait probablement ceci, on attendait ça, mais après ça, on l'a pas fait, donc c'est pas grave. Donc là, c'est le milieu de ce range-là qui était là, mais c'est cassé. Après, on attend un pullback. Ici, comme vous pouvez constater, ici, on attend un pullback ici. Et après, on attend position pour aller chercher les TP qui sont en haut ici. Après, sinon, si la Tenkan Sen cède, on peut entrer en position pour venir chercher la Kijun Sen ici. Après, c'est-à-dire le milieu de ce range après, parce que peut-être après, ici, il y aurait, a priori, il y aurait une réintégration. Après, on entre en position ici. Après, si ça casse le milieu de ce range ici, on va chercher le bas de ce range-là. Mais après, il pouvait aussi y avoir que les prix soient refoulés, soient rejetés ici, au milieu de ce range ici, pour aller chercher encore en haut. Donc, on ne sait pas encore, on attend. Donc là, on va tout simplement faire ceci. Dégoûté. Donc, le milieu de ce range-là, et on attend. Qu'est-ce qui s'est passé en daily? En daily, les prix ont cassé cette plat. Enfin, on va aller tout simplement en weekly parce que c'est en weekly qu'il y a vraiment ce plat que je vais parler. En weekly, ici, nous avons une zone ici très très forte ici. Il y avait un plat Tenkan Sen. Il y avait un plat Kijun Sen ici très très long, très très long, long, long. Depuis là, ça commence ici et ça se terminait là. Donc ça a été cassé. Donc après ils sont venus chercher le plat Kijun, le suivant qui est là. Après c'est ce qu'on attend en fait. Dès que ça casse ici, on vient chercher les niveaux suivants. Mais comme vous voyez, nous sommes sous le nuage, nous sommes en dessous du nuage et le nuage ici est très épais ici. Donc pour la baisse, nous sommes toujours on va pas chercher à aller très 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 loin. Donc en fait, et c'est le prochain TP que nous avons mis ici, il est 1.14697. C'est tout simplement un plat SSB qui est là. Donc, tout simplement. Donc, on va pas chercher à aller très très loin vu que nous avons tout ça, vu que nous avons le nuage qui est là.
Donc voilà. Donc on attend le pullback, un pullback ici peut-être sur Lucky June qui va monter après un pullback ici. Et si c'est bon, on entre en position, on va chercher les c'est tous ces zones, enfin ouais, ces zones sera le TP qui est là, les 1.1497. Sinon, si c'est pour la baisse, je n'entrerai pas en position pour la baisse avant la cassure de cette zone, c'est-à-dire cette zone. C'est-à-dire cette zone. Cette zone, il faut que cette zone soit bien cassée pour que j'entre en position pour la vente. Et si je vais sur du M15, un M15, juste ceci. Donc, un M15, je pourrais entrer en position ici, vous voyez, de la cassure de ce borne haute durant que nous avons tracé en H4. Ici, la cassure ici, après peut-être un pullback ici, peut-être. Après, j'entrerai en position pour venir chercher premier TP ici, le milieu du range qui est là. Après, si ça casse, après tout simplement, si ça casse, je vais entrer en position après. Mais je vais accompagner en fait. Je vais accompagner en regardant les formes de chandeliers japonaises qui vont former ici, les chandeliers qui vont former ici. Et si je sors en position, ben je sortirai. Et sinon, je sortirai parce que au risque. Parce que ça risque aussi de monter ici comme ça, comme nous voyons ici. Sinon, j'accompagnerai pour descendre, chercher tout simplement la borne basse de ce range H4 que nous avons tracé ici. Tout simplement. Désolé. Vous le constatez par vous-même, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, c'est comme ça. Bon, là nous sommes sur Euro Odd. Il y a tellement de choses. Euro Odd, en weekly, parce que oui, comme j'ai déjà tracé tout ça, il faut que je vous explique. Donc, Euro Odd, en weekly, nous avons un nuage qui est plat ici. Ici, du coup, j'ai tracé ce rectangle rouge que vous voyez là. Donc, c'est un grand rectangle rouge que j'ai tracé ici. Donc là, nous avons ici été touché de touch ici, ici. Et donc, j'attends aussi tout cette baisse ici pour venir chercher le bas de ce range ici, donc j'attends. Et sinon, quand on va en daily, nous avons ceci. En daily, nous avions aussi un range en noir ici, ok. Et donc et ça c'est le milieu, okay, c'est le milieu ici. On va élargir un petit peu ici. Là, on est bon. Donc, j'attends en fait que les prix cassent la Tenkan Sen qui est là. Et si s'il casse la Tenkan Sen, là, on va entrer en H4. Donc, on va prendre position à la baisse pour venir chercher la Kijun Sen qui est là. Et si cette Kijun cède en daily, on entre en position pour la vente toujours pour venir chercher le milieu du range qui est là. Et on accompagne le prix pareil, hein, pareil, c'est comme ça. On accompagne le prix pour venir chercher le bas du range ici. Et on accompagne aussi pour venir chercher le bas du range daily ici. Daily weekly ici. Ça sera la fin. Okay. Une fin probable. Après, peut-être que ça peut remonter aussi. Mais ici, ça sera la fin. On va pas chercher à aller très 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 loin non plus. Il ne faut pas exagérer non plus. Donc, on attend. Après, si ça casse ici. On voit que là, ici, ça sera probablement pas pour aujourd'hui. Donc, si ça casse ici, on viendra tout simplement chercher la Kijun Sen qui commence à remonter un tout petit peu. Donc, peut-être qu'il va venir sur ce... où c'est où? C'est quoi de couleur sur le noir. Il va venir ici. Hein, donc, la Kijun Sen d'ici va remonter jusqu'à là. Donc, on pourra entrer en position. Si ça baisse, mais pour venir chercher cette Kijun qui va venir ici. D'ici là, il va remonter jusqu'à là.
Ok, va remonter jusqu'à là et on voit que c'est un milieu du range des weekly ici. Ok, le milieu du range weekly ici et c'était la bonne base d'un range de notre range daily. Va remonter jusqu'à là tout simplement. Donc la baisse, on pourrait prendre la baisse ici, venir au milieu et après ici pour la quitte d'une scène mensuelle qui va monter jusqu'ici et puis s'il casse là. On sera bon. Mais de toute façon, si on arrive à être en position depuis ici ou depuis là, jusqu'à là, à peu près, nous avons nos 1000 points, hein, donc nos 100 pips, donc on est bon. Hein. Donc si, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. Donc en H4, j'attends en fait qu'il casse tout ça ici pour entrer en position. Donc s'il me casse le nuage qui est là, la game span me valide de tout ça. J'entre en position après un pullback pour venir chercher le milieu du range ici. Tout simplement. Et pour ce qui est des achats en H4, pour ce qui est des achats en H4, c'est EuroPod. Pour ce qui est des achats en H4, on voit que en daily, il y a un Kijun, il y a un Tekken 5 qui est collé très très fort au prix, donc ça, de toute façon, c'est son rôle. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Et là, nous avons fait un petit tour sur le milieu du range H4 ici, et ça remonte, donc on va probablement aller chercher le haut du range ici. Probable, toujours, on n'est pas encore certain. Ici, et après, je vais chercher à faire une vente. Après, c'est ce que moi j'attends. Je chercherai à faire une vente ici. En haut, ici. Même si maintenant, on voit que ça commence à monter. Parce que là, on voit que les prix sont sortis du nuage, mais la lag span, elle ne sort pas, donc ne valide pas cette sortie. Donc si la lagging span sort de son nuage, ça peut aller chercher la borne haute ici. Et si ça vient ici, moi je vais chercher à faire des ventes. Tout simplement, encore une fois, mes amis, excusez-moi parce que on veut constater ce que je suis dégoûté, 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 je vous jure, dégoûté. Et quand on va sur EuroGPY un H4, c'est que on attend la cassure de cette zone. Après, on entre en position pour aller chercher la borne haute ici. Okay, parce que la semaine dernière, nous attendions en fait que les prix cassent et viennent chercher la borne basse ici. Ça ne l'a pas fait parce que c'est pas venu chercher. Donc, c'est pas grave. Donc, de toute façon, faites des analyses et c'est le marché qui fait le reste. Donc maintenant, on voit que ici, ça centre des travées, les 50% de Fibonacci de ce mouvement-là. Donc on attend la cassure de ce mouvement et on entre en position pour venir chercher les 123 pile-pile. Les 123, pourquoi les 123 sont très importants? Parce que les 123 sont tout simplement... Et c'est quand on va en mensuel. En mensuel, on voit que les 123 sont là pile-pile sur une zone très très forte. Parce que vous voyez une grande bougie mensuelle ici. Et les 123 font pile-pile le milieu de cette bougie. Donc une résistance très très forte parce que on le sait très bien, vous le savez. Si ça fait un grand bougie, le milieu de ce grand bougie fait une résistance. Okay, si vous lisez les chandeliers japonais d'ailleurs, ça peut se confirmer ici. Vous voyez cette grande bougie qui est là. Okay. Si vous prenez les Fibonacci de cette bougie, c'est jusqu'où? Vous voyez, sur les 50% des Fibonacci sont là. Vous voyez le milieu de cette bougie. Donc voilà, c'est le milieu. Donc ça fait une résistance là. Là aussi pareil, vous voyez cette grande bougie qui est là. Si vous prenez ici, vous avez un plat qui jaune ici. Donc ça me fait une résistance ici. Donc c'est pareil ici.
Et donc là, vous voyez ici les 122 aussi, les 122.276. C'est tout simplement un plat très 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 long de d'une SSD mensuelle, donc une zone très très forte à surveiller. Donc si ça casse, on va pas chercher loin. Si ça casse, on va tout simplement aller chercher les 123. Après, si les 23 cassent, nous avons ici cette SSD. Nous avons cette SSD qui est d'ailleurs ici, ça fait une petite mèche. Vous pouvez chercher cette SSD, mais pour être sûr, parce que ça, nous avons plaqué Joule qui est là, daily, donc on va chercher ici. Donc nous avons les 123 piles et les 123,50. Ok, mais il faut que ça casse, il faut que ça casse. Et les 123,50, on voit que c'est le range que nous avons tracé depuis ici, mais il faut que ça casse. Désolé les amis, vous voyez comment je passe, que je suis fatigué en fait, j'ai pas le moral, j'ai pas l'énergie, j'ai plus d'énergie en fait que j'avais. Je suis désolé. Et donc ici, est-ce que pourquoi on n'entre pas tout de suite en position? Parce que ici j'ai tracé un petit carré qui est là, en fait les prix sont bloqués depuis M1. Ici, depuis M1 ici. Donc on attend juste que les prix cassent le haut ici et après on a notre position pour aller chercher tout simplement nos TP. Ok. Nos TP suivants en fait. Donc on attend juste que la cassure d'ici, que ça sorte bien 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 ici, que la Kijun nous fasse un petit, que la Kijun remonte ici. Ça va, et que ça sorte de ce, vous voyez, c'est tout simplement, c'est ça qui est travaillé, en fait. C'est cette plaque Kijun qui est travaillée. Donc, dès que cette plaque Kijun sera cassée, on est en position pour aller chercher les 123 après. Bon, il y a aussi les 122, hein, il y a les 122, 638 aussi à surveiller, parce qu'il faut que ça passe avant d'y aller. Mes amis, j'ai plus la même énergie, donc suis dégoûté, dégoûté, dégoûté. Excusez-moi, dégoûté. Je ferai peut-être une autre vidéo d'analyse mardi. Je ne sais pas. Mais bon, celle-ci, prenez cette vidéo juste une petite aperçu ou juste pour faire une idée. Mais franchement, je suis dégoûté, désolé. Et là, un H4 sur un ZGPY, un H4, qu'est-ce qu'on a? Nous avons ceci tout simplement, un range qui prend depuis. Nous avons toujours gardé notre range probable qui prend depuis les 72.161 jusqu'à là, les 70.353. Donc ici, pourquoi? Parce que les prix sont bloqués ici, parce que nous avons un plat Kijun, un plat Tekken Sen ici, donc les prix travaillent ici sur les 71 piles. Après, est-ce qu'on va entrer en position si ça casse? Oui, on peut entrer en position si ça casse pour venir chercher les 50% des Fibonacci qui sont là. Sinon, ça ce que vous voyez ici, c'est pour du long terme. Un daily, on voit que la zone que nous avons tracée, c'est tout simplement une zone de résistance ici, il y a un plat Kijun ici, plus une SSD, plus une Tekken Sen, je suis vraiment fatigué, plus une Tekken Sen ici, donc on n'entre pas tout de suite en position, on attend que cette zone soit cassée pour aller chercher en haut ici, tout simplement. Un weekly, ce que j'ai disais sur les bougies, c'est que le milieu, les 5% de Fibonacci qu'on voit ici, c'est tout simplement le milieu de cette grande bougie. C'était quoi? Le ZGPY. Donc là, quand on vient à un H1, on voit que
Le 71, c'est tout simplement là une borne haute d'un ranch ici. Donc on attend qu'il soit cassé, on entre en position pour venir chercher les 50%. De toute façon, c'est rien du tout parce que c'est que 19. Moi, je cherche pas quelques points comme ça. Après, si ça descend, ça serait sympa que ça descende jusqu'en bas ici. Et après, on essaye de d'acheter. Voilà, mes amis. Excusez-moi, là, sais même pas quoi dire, quoi. Là, vous avez juste une petite idée de ce que j'attends, parce que là, j'ai vraiment pas de l'énergie de tout recommencer, tout ça. Donc, excusez-moi pour cette vidéo. Je suis dégoûté, terrorisé, je sais pas quoi dire, même. Les primo, la fameuse, elle m'a terrorisé, m'a pris toute ma motivation. Sur ce, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne semaine à vous. En tout cas, je laisse comme ça, je touche pas. Et j'espère qu'MT4 ne va pas planter non plus. Et après, je ferai peut-être une vidéo vite fait pour expliquer encore une fois mardi. Sinon, si j'entre en position, je vais essayer d'envoyer des photos sur Facebook si j'entre en position ou pas. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine à vous et merci beaucoup. Et excusez-moi pour cette vidéo. Je sais que donne pas d'énergie. Je sais que, mais bon, excusez-moi parce que excusez-moi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine à vous. Et sinon, dites-moi sous les commentaires quand même si cette vidéo vous a plu. Je peux pas dire ça parce que même moi, je suis pas très satisfait de cette vidéo, mais bon. Juste pour l'idée des analyses, prenez juste les idées des analyses et voyez ce que vous pouvez en faire, ce que vous pouvez en tirer, et dites-moi sous le commentaire si cette vidéo vous aura quand même un peu aidé. Je serai content. Je vous souhaite une excellente journée. Merci et au revoir.